Bon, recule, va au fond comme tu étais, s'il te plaît. Tu veux que je te lambe, hein? Est-ce que tu peux danser? Tu ne me cites pas. Tu peux danser, depuis que tu penses, je t'ai parlé. Non, c'est vrai. Si tu veux qu'on se gâte là maintenant, là on se gâte là maintenant, là on finit. C'est ça ton problème, reste dynamique. C'est ça mon problème. Mon problème, tu es en train de parler là-bas, tu me dis de quitter là-bas. Non, je dis que tu recules juste. Et puis la patronne dit quitter, tu fais ton entrée, c'est tout. Je ne quitte pas. Je suis venu organiser un concert ici. C'est un concert qu'on est en train de faire là, un concert musical. On t'a dit qu'on avait besoin de musique à cet instant. On a besoin des PayPal. On a besoin de l'argent pour faire sortir une personne dans une situation. Toi, tu es en train de danser, tu es dans la joie, alors que moi, je suis en train de vouloir mourir. C'est ça que tu appelles participer de mon côté. Qui t'a envoyé? C'est Amonchi qui t'a envoyé. C'est les Axel qui t'ont envoyé ici. Ce sont eux, hein. Axel, Meryl, Amonchi et Jojo. Qui t'ont envoyé ici? C'est très bien. Donc, voilà, cette histoire-là, ça veut dire que ça m'a merdé jusqu'au fin fond du cul. Merde. Pourquoi tu apparais toujours quand j'ai des problèmes? Anna, tu connais c'est quoi la conscience, non? Continue à ouvrir ta gueule et vite-moi, s'il te plaît. C'est pour qui? C'est pour toi ou bien c'est pour moi? C'est pour toi, Anna, tous les cadeaux, c'est pour toi. Lili, merci, envoie encore plus. Mais ne suis même pas encore, elle m'a dit cas de cadeau. Donc tout ce qu'on a fait d'envoyer là comme les cadeaux, au lieu de dépenser leur argent, ils peuvent aussi envoyer. Mais au lieu de dépenser leur argent, ils peuvent aussi envoyer directement à PayPal. Imbécile, fais vite, hein. C'est pas la cour du roi Péto ici. Tu as compris? Ma concentration de me préparer quoi. Quand je vois déjà des enfants tourner autour de moi là. Pas bon. Voyez, à mon chic t'a envoyé tout ce monde là, les Jojo, tous ces hypocrites là, toutes ces personnes là, ils t'ont envoyé pour aller prendre des informations chez moi. Parce que je sais que tu es de l'autre camp. Non, Anna, si tu me vois, c'est moi qui te propose donc, Anna, toi et moi chaque soir, on peut faire des matchs à gage où on se dit tout, on ouvre le cœur. Chaque soir, on doit me jeter dehors, la date limite, c'est dimanche. Donc lundi là, on peut venir fermer la porte. Si tu vois ma maison à ce moment-là, ma maison est dérangée partout. Je ne sais même pas là où mettre la tête. Là où commencer à garder des choses, je ne connais pas. Anna, aujourd'hui c'est jeudi, n'est-ce pas? Ce que j'ai fait. Axel Meryl, avant qu'il ne soit ce qu'il est devenu là aujourd'hui, avant même qu'il ne commence même dans la musique, Axel Meryl, on était en contact une fois. Il venait sur ma page Facebook. On était des amis. Je l'écris. Il fait comme s'il ne me connaît pas. Va lui dire que j'ai dit que non, il va mourir bientôt. Il faut lui dire non. Ça. Donc Anna, écoute-moi. J'ai dit, hein, pas. Mais va dire à Axel Meryl que j'ai dit que non, il va mourir bientôt. Mais c'est ça que je te dis, Anna. Nul n'a le monopole. Mon frère, je ne laisse plus le cul de quelqu'un. Mon frère. Attends, Anna, écoute-moi. Tu sais, dans la vie, dans ce bas monde, tu dois être utile aussi pour l'autre. Tu ne dois pas être celle-là qui attend toujours venant de l'autre. Sois utile aussi pour l'autre. Alors, tu ne peux regarde, pas. Regardez les enfants.